comme vous le voyez derrière là, sur la banderole, l'objet de cette rencontre. Voilà, vous le voyez, il est écrit non à la modification de la Constitution et vous voyez le M21. Pour vous donner le contexte, et vous dire ce pourquoi nous sommes là de façon pratique et complète, nous allons laisser la parole. Mais tout d'abord, nous allons présenter tous ceux qui sont sur cette table, de ma droite à ma gauche. Vous avez Danon et Samba David de la coalition des indignés, premier responsable de la coalition des indignés, comme Danon. Juste à la gauche de Samba David, vous avez l'activiste, la cyberactiviste et l'activiste Sarah Kwame, juste à côté de Samba David. À sa gauche également se trouve la leader, la présidente Kutchéri Balé de l'ACI, ACI, qui veut dire voilà, Alternative Citoyenne Ivoirienne. Et juste à la fin, nous avons notre frère de combattant, Comel, frère Comel, de Je reste debout pour ma patrie. La sixième personne s'est excusée parce que la coalition M21 est faite de six mouvements pour l'instant. Et la sixième personne qu'on a été nous s'est excusée pour des problèmes professionnels. Et donc, ceci étant, nous avons laissé la parole à Samba David pour situer le contexte de cette heure. Ce matin, nous avons bien voulu avoir cet échange avec vous pour vous présenter un peu la nouvelle vision de l'ensemble d'un certain nombre de la société civile. Depuis longtemps, vous avez constaté que nous faisions, chaque structure, chaque mouvement faisait ses actions seul. Nous avons donc décidé, il y a de cela 3 semaines, de mettre sur pied un cadre d'échange, de réflexion et d'action commune. Ce cadre-là a donc vu le jour, voit donc le jour aujourd'hui, ici, officiellement au bureau de l'ACI, mais ça a été déjà, nous avons eu plusieurs rencontres dans différents bureaux pour qu'aujourd'hui nous venions vers vous pour vous dire qui nous sommes. Nous avons commencé par les réseaux sociaux en balançant M21 pour susciter la curiosité et cela a dû avoir de l'impact. Aujourd'hui, c'est 6 organisations, 6 entités qui se mettent ensemble pour l'instant pour mettre sur pied le M21. Souffrez que je ne dise pas M21 ce que c'est, parce que dans le discours, Sarah Kwame, qui est chargée de faire la déclaration au nom du M21, va dire ce que c'est que M21. Alors, sur ce, je voudrais donc vous dire merci et nous allons donc laisser la parole au modérateur qui va donner la parole à la personne suivante. Okay. Merci. Vous l'avez déjà su, il m'a dénoncé, et celle qui va lire le discours du M21 s'appelle Sarah Kwame, et donc vous avez une intention dans la lecture du discours. Après, viendra les questions à réponse. Citoyens, citoyennes, notre pays est arrivé à un moment crucial de son histoire. Après 2 guerres en 2002 et en 2010, nos politiciens n'ont malheureusement pas tiré les bonnes leçons et s'apprêtent à nous servir une autre guerre en 2020. Nous allons à des élections avec une CEI déjà contestée, un code électoral non consensuel, un dialogue politique empreint de ruse et d'hypocrisie, un dialogue social en panne, des atteintes aux libertés constantes et un contexte électoral non rassurant. Par-dessus tout cela, le président de la République prévoit une modification de la Constitution en mars ou en avril 2020 au mépris du protocole de la CEDEAO en matière de modification constitutionnelle applicable à ses 15 États membres de l'Afrique de l'Ouest qui interdit fortement la modification des institutions qui sont fondamentales avant une échéance majeure de 6 mois avant la tenue de cette échéance. En mars 2020, nous serons à 6 mois d'octobre 2020 et en avril 2020 à 5 mois de la même échéance.
À quoi répond cette décision? Est-il vraiment opportun de modifier une constitution qui date seulement de novembre 2016? Pourquoi le faire à 6 mois des élections au mépris des exigences internationales? Cela ne va-t-il pas envenimer les tensions sociopolitiques déjà importantes? Face à ces menaces évidentes sur la paix sociale, 5 organisations de la société civile et une cyberactiviste ont décidé de mener ensemble une lutte contre cette modification de la Constitution au sein d'un mouvement dénommé M21. Ce sont Jeunesse panafricaine, Je reste debout pour ma patrie, l'ONG Élections sans violence, la Coalition des indignés de Côte d'Ivoire, Alternative citoyenne ivoirienne et la cyberactiviste Sarah Kwame. Il est important que désormais nous soyons proactifs au lieu de laisser faire ce qui va nous apporter des problèmes et peut-être une crise préélectorale. Compte tenu des tensions qui naissent des modifications de constitution, le M21 appelle l'ensemble des Ivoiriens à s'opposer à cette tentative de modification dont les intentions sont inavouées. Ainsi, le M21 demande au président de la République de renoncer à ce projet conflictuel, à la CEDEAO et à l'Union africaine et à l'Union européenne d'intervenir pour contribuer à la stabilité de la Côte d'Ivoire qui prépare des élections à risque, à toute la population de se joindre au M21 pour protestation contre la modification de la Constitution le 21 mars 2020 au palais de justice de Yopougon. Citoyens, citoyennes, longtemps nous avons laissé faire. Levons-nous pour dire non à cette énième bavure politique. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Rendez-vous le 21 mars au palais de justice de Yopougon pour une marche jusqu'à la mairie de Yopougon. Je vous remercie. Merci. Vous l'aurez compris, le M21, c'est pour le 21 mars. M, mars, 21, c'est le rendez-vous que nous donnons, nous prenons avec l'histoire démocratique de la Côte d'Ivoire, avec le peuple ivoirien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, viendra la série des questions-réponses. Et donc, la parole est aux journalistes pour que les leaders qui sont là vous donnent quelques réponses ou quelques pistes de... Pourquoi M21? Pourquoi avoir choisi M21? On dit que c'est le 21 mars. Pourquoi le 21 mars précisément? Est-ce que voilà, c'est le jour où vous allez annoncer l'apocalypse? Et puis, deuxième chose, vous êtes la société civile, vous dites non déjà à une modification à l'annoncer la Constitution. Est-ce que vous avez des points de la Constitution qui sont modifiés? Pourquoi Yopougon? Ok. Pourquoi le site de Yopougon? Voilà le lieu. Pourquoi Yopougon? Nous connaissons bien certaines des composantes du nouveau groupe M21. Je vois Sama David, je vois la présidente Chéri Balé. C'est vrai qu'on vous connaît. Personnellement, vous avez fait vos preuves. Mais est-ce que quand vous prenez aujourd'hui la température, je vais dire au niveau national, quand vous prenez les Ivoiriens eux-mêmes dans leur état actuel, leur état d'esprit, est-ce que vous pensez que cette population a un peu bougé par rapport au combat que vous êtes en train d'annoncer? Vous parlez de modification constitutionnelle. Le confrère a demandé si vous connaissez les points qui vont être soumis à modification ou... C'est peut-être un combat anticipé. Mais est-ce que vous pensez que les Ivoiriens sont aujourd'hui prêts? Ces Ivoiriens-là, à qui on refuse une carte d'identité, mais qui ne bougent pas du tout. Même demain, quand on va leur refuser de la nourriture, ils ne bougeront pas du tout. Est-ce que vous pensez que ces Ivoiriens sont prêts à vous suivre dans une lutte? Le combat de la Constitution, c'est-à-dire la modification de la Constitution, c'est qui n'est pas encore véritablement annoncé par le président, officiellement annoncé par le président. Et il y a d'autres combats, c'est-à-dire au niveau de la carte d'identité, au niveau de l'enrôlement, au niveau de... Bon, vous avez choisi celui qui n'est pas encore annoncé.
Est-ce que vous croyez que ce combat-là pourra beaucoup véritablement intéresser les populations? Est-ce que vous les invitez à sortir alors que, bon, il y a d'autres combats pour eux qui méritent véritablement d'être menés maintenant? Donc, on voudrait donc vous remercier. Oui, pourquoi M21? M21, tout simplement, parce que c'est ce 21 mars-là que nous avons choisi pour que la société civile, dans son ensemble, parce que c'est 6 organisations, 6 entités qui ont commencé, mais depuis plusieurs nuits, nos amis de la société civile qui voient publier M21, qui ont pris rendez-vous, que nous recevons, nous leur expliquons pourquoi. Donc vous verrez que très prochainement, d'ici même la marche, il y aura plusieurs organisations de la société civile. Alors pour dire que c'est le 21 mars que la société civile ivoirienne prend sa place entièrement dans le débat politique et dans la vie des décisions, et dans les décisions qui concernent la vie des Ivoiriens. On ne pouvait pas encore, comme par le passé, faire des coalitions, ceci, coalitions, cela. On a juste pris M21, qui est un cadre d'échange, de réflexion et d'action commune au niveau social. Voilà pourquoi M21. Pourquoi Yopougon? Nous avons choisi Yopougon parce que nous voulons aller progressivement. Nous savons que le mal de la Côte d'Ivoire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire, qui, celui-là, a mal, mais qui ne parle jamais. Il fallait donc commencer quelque part. Donc nous avons choisi Yopougon, où ces différentes structures-là ont déjà des bases, pas mal de bases, où nous allons plus faire passer le message. Donc nous avons choisi Yopougon. Il fallait choisir quelque part, donc c'est Yopougon que nous avons choisi. Alors, voilà un peu ces différentes raisons-là. Nous allons commencer à Yopougon. Nous allons parler aux Ivoiriens. Quand le président va peut-être saisir le message et qu'il renonce à sa décision, parce que c'est vrai que ça n'a pas encore été fait, mais il a dit, de mars en avril, lui, il va changer la constitution. Notre constitution, qui n'est pas son testament, qui est notre constitution à tous, lui, il va la changer. Donc, voilà un peu ce pourquoi M21 et pourquoi Yopougon. Non, maintenant, il a demandé aussi si on connaît déjà le contenu des modifications. Bon, pas vraiment. Mais le chef de l'État, lors de ses récentes allocutions, a laissé entrevoir ce que cela pourrait être. Notamment, mettre les élections à un seul tour. Et puis aussi, l'augmentation de la caution entre 50 et 250 millions. Et aussi le parrainage des candidats. La première question, pourquoi la lutte contre la modification de la Constitution? Effectivement, en nos sein également, nous avons évoqué cette question. Mais l'élément le plus important, l'élément le plus crucial pour nous, c'était la Constitution. Parce que c'est déjà, on a déjà entrevu les histoires passées avec les différents pays où les présidents ont eu l'intention de modifier la constitution et on sait ce que ça a donné. Et comme la Côte d'Ivoire vient récemment de dire qu'ils sont ici, nous, on ne voudrait pas entamer cette démarche-là. C'est pourquoi nous avons décidé de taper sur le point le plus important qui est la constitution qu'il ne faudrait pas toucher. Parce que déjà, les différents points que nous savons, notamment la question de la CENI, est déjà sur de tous les Ivoiriens. Et ce côté-là, ce combat en fait d'être mené par les Ivoiriens, eux-mêmes, par le comportement que nous voyons déjà sur les réseaux sociaux et un peu partout. Mais la constitution est le gage de toute nation. Et l'a touché à quelques mois des élections avec tous les accords internationaux que la Côte d'Ivoire a. Je pense que c'est incendiaire. C'est pourquoi nous voulons anticiper sur cette question. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous savons comment le peuple peut des fois surprendre. Donc je dirais que nous, on prend une cause qu'on estime être importante. C'est maintenant à chacun de réagir selon l'intérêt qu'il accorde à cette cause. Donc nous allons tous ensemble constater si le 21 mars, les Ivoiriens vont sortir ou pas. Mais étant des personnes qui vivons dans le peuple, nous savons qu'il y a un mécontentement généralisé tant par rapport aux questions politiques que par rapport aux questions sociales. Donc en principe, un sujet qui peut être source d'un conflit devrait intéresser tous les Ivoiriens.
Donc on va constater tous ensemble si le 21, les Ivoiriens sont prêts ou pas à sortir pour eux-mêmes leur pays. Nous, on ne s'oppose pas en tant que tel à une modification, mais une modification sur mesure qui a été déjà contestée, je crois bien, par M. Ouattara en 98 déjà, il avait dit qu'il était contre la modification de la Constitution sur mesure qui viserait à écarter certains candidats. Aujourd'hui, si on nous dit, si on demande, on demande aux Ivoiriens, nous voulons modifier la Constitution pour ne plus que des autorités de ce pays partent se faire soigner à nos frais en Europe, mais on dit on est d'accord. On dit bon, on va modifier la Constitution pour que le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance soit désigné par des syndicats ou bien l'ensemble de la société civile, on dit on est d'accord. C'est-à-dire, tous les leviers capable de réguler la bonne gouvernance, les raquettes, les détournements de fonds, on dit on est d'accord. Mais modifier la Constitution encore pour certainement écarter certaines personnes, pourtant cette Constitution nous a coûté près de 20 milliards en 2016. Et cette Constitution, dit-on, a été votée à 93%. Donc toute la Côte d'Ivoire a dit oui. Qu'est-ce qui l'amène encore à vouloir la modifier maintenant, à 6 mois des élections? Raison pour laquelle nous disons non. S'il y a l'argent, ou bien s'il y a quelque chose à faire, qu'on essaie de voir comment les Ivoiriens peuvent se faire enrôler rapidement pour les pièces. Donc, raison pour laquelle nous avons dit nous ne sommes pas d'accord pour la modification de la Constitution à quelques jours des élections. Alors, parler de la modification de la Constitution, on a posé la question au gouvernement. Le gouvernement dit non, que nous sommes en stade de projet. Alors, quand vous faites une déclaration de ce genre, le gouvernement vous dit tout simplement que nous sommes encore au stade du projet. Quel est votre avis là-dessus? Non, on avance. Peut-être savoir si vous avez vraiment pris des attaches diplomatiques, parce que, et à l'expérience, on voit un peu ce qui se passe dans le pays voisin de la Guinée. Là-bas également, il est question d'une modification constitutionnelle, justement, à quelques mois d'une élection présidentielle. Le peuple. Une partie du peuple est sortie pour dire non, une autre partie est arrivée aussi dans la rue pour dire oui. Est-ce que, quand vous voyez toutes ces expériences-là, est-ce que vous avez vraiment pris les bonnes attaches pour cette opération-là? Parce que elle engagerait aussi votre crédibilité. Dans un passé très récent, vous avez projeté une rencontre à Yukuba qui a fait chouette. Est-ce que cette fois-ci, tous les gages ont été donnés pour le maintien de cette rencontre-là. La commission est bonne. Le M21, ça parle d'une marche simple pour le 21 mars. Tellement les évêques avaient parlé d'une marche où elle a entendu des menaces. Est-ce que vous ne craignez pas que les mêmes menaces se manifestent aussi contre le M21? Merci. Votre frère a demandé si seulement au stade du projet, parce que le président l'a annoncé, ne l'a pas encore fait, s'il était important pour nous de projeter cette marche. Alors, je vais lui poser une question. Serait-il en train de douter de la volonté du président à modifier cette constitution? Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui était d'abord au stade de projet, notamment la carte d'identité payante. Ça a été annoncé, le projet allait à l'Assemblée nationale, puisque nous avons une Assemblée nationale qui, à 99%, dit oui à tout ce qui vient du président de la République. Aujourd'hui, nous constatons que la carte d'identité est payante. Alors, nous attaquons déjà le projet. S'il renonce à ce projet, alors c'est fini, il n'y a plus de marche, comme l'a dit tout à l'heure le coordinateur Samba. Mais si nous n'allons pas attendre que cela aille sur la table des députés, que ça soit accepté, accordé par les députés, maintenant dans sa mise en application, c'est là que nous allons venir manifester notre mécontentement. Ça sera toujours les médecins après la mort. Alors dès maintenant, nous nous attaquons au sujet. Si c'est un projet, alors tant mieux, nous restons dans notre point. Je vous remercie. Vous savez, quand le ministre Bakongo disait en 2015 qu'après les élections de 2015, ils allaient avoir une modification de la Constitution,
ça fait le débat. C'est pas possible, c'est pas possible. À ce que je sache, en ce qui concerne la protection du pouvoir de M. Ouattara et la conservation de ce pouvoir, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est quand c'est dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, quand il dit, il fait le contraire. Voilà. En ce qui concerne conserver le pouvoir, il dit qu'il va modifier la constitution. Il a dit devant les médias et il a donné une fourchette. Il dit, mars, avril, je vais modifier la constitution. Mais nous, on dit, on ne va pas attendre d'abord que ça passe devant les députés et que ça soit accepté. Parce que quand ça va là-bas, c'est déjà accepté. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit devant tous. Il dit, monsieur le président, ne craignez rien. Désormais, depuis que nous, le président de l'Assemblée nationale, l'exécutif, le parlementaire et le judiciaire font une personne. Bon, ça, là, vous voulez qu'on attende quoi déjà? La démocratie déjà est déjà suicidée. Donc, nous disons, s'il fait vérité de modification, nous, on ne veut pas déjà. Voilà ce pourquoi on n'attend pas que ça soit sur la table des députés d'abord, parce que là-bas, c'est déjà oui. C'est un passage pour lui. Voilà ce que je voulais dire. Les attaches, bon, il faut dire que notre chargé de la diplomatie, nous prenons les attaches. Et déjà, les attaches sont en train de se mettre en action aussi pour parler avec le régime. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute la vidéo de l'ex-président américain Obama, il dit... Les présidents africains, c'est quand ils sont au soir de leur mandat, ils disent, si je m'en vais, on dirait que le pays va tomber en ruine. Donc, je veux rester encore. C'est à ça que nos présidents veulent jouer. Et je crois bien que ça ne va pas marcher cette fois-ci, parce que ça suscite toujours des crises, des tensions. Pourquoi forcément, à quelques jours des élections, il faille modifier la constitution pour écarter? Nous, ce que nous savons, et qui est vrai, on a aussi des gens. Quand le président dit à 13 villes, un coup KO, mais en Côte d'Ivoire ici, même au temps de Fouet, c'était difficile de faire un coup KO. C'est pas maintenant où il y a beaucoup de candidats là qu'on va faire un coup KO. Si on va à ça, ça va forcément créer des choses. Et vous savez que les oppositions sont en train de crier, pas tous ceux qui sont candidats sont en train de crier. Et nous-mêmes, nous le savons. On ne peut pas se taire là-dessus. Nous, on joue notre rôle de société civile, d'interpeller, de dire à l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes pas d'accord sur cette velléité de modification. Voilà. Donc, pour les attaches avec les ambassades et autres, la diplomatie, Pulchéri est déjà à l'œuvre. Elle ne va pas déballer toutes nos batteries ici, mais nous sommes déjà en train de toucher ce qu'il faut toucher, ceux dont il a peur, ceux qui le respectent, ceux qui l'écoutent et ceux à qui il doit son pouvoir. Hein. Nous sommes en train de leur parler. Merci. Par rapport aux garanties. Nous savons que malheureusement, et les faits sont là, nous ne sommes pas vraiment dans un état du droit. Mais nous allons faire les choses normalement. Ça veut dire que nous allons écrire aux autorités pour leur dire ce que nous avons l'intention de faire. Selon la Constitution, c'est de notre droit, parce qu'il s'agit d'une manifestation pacifique. Maintenant, c'est ça qui est la véritable garantie, parce que c'est leur devoir également d'encadrer cette marche. Mais comme on a l'habitude de nous voir opposer un refus, on verra si ça sera encore le cas. Et en ce moment-là, on avisera. Mais dans un premier temps, la garantie que nous pouvons prendre, c'est d'informer officiellement les autorités de ce que nous voulons faire. Et nous tous, on va constater leur réaction, et en fonction de leur réaction, nous aviserons ce qu'il faudra faire. Maintenant, les menaces, là aussi on est habitué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes plus dans un état de droit. Avant même cette initiative, on a tous été ici victimes de menaces et on l'est toujours. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Le plus important, c'est qu'on joue notre rôle d'éveilleur de conscience et que la population, elle aussi, joue son rôle. Donc, c'est ensemble que nous allons gérer la suite. Voilà. Bonjour, monsieur. Je suis Pulchéri Edith Ballet,
présidente du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, FORCI, également présidente de Alternative citoyenne ivoirienne, en abrégé ACI. Ce qu'il faut préciser, c'est que M21 n'est pas une organisation. C'est un mouvement temporaire, un cadre d'échange qui a été créé pour que plusieurs organisations de la société civile qui ont les mêmes objectifs se mettent ensemble pour une cause. Et là, pour l'instant, nous avons décidé de lutter contre la modification de la Constitution. Ce qu'on doit retenir à l'international, c'est que la Côte d'Ivoire est en train de préparer des élections à risque. Des élections à risque parce que nous avons connu une guerre post-électorale en 2010 qui a eu pour base les dysfonctionnements de la CEI. Et malheureusement, en 2020 encore, nous avons une CEI qui est déjà contestée. Donc pour nous, qui est source, qui est conflictuelle. La deuxième chose, c'est que toutes les opérations techniques qui devaient être menées pour que les élections soient organisées de façon crédible et transparente ne sont pas encore. C'est en janvier là qu'on a commencé l'enrôlement, avant même d'actualiser les listes électorales. Et cet enrôlement est vraiment mal parti parce que le nombre de centres est insuffisant. Les populations l'avaient voulu gratuite, mais l'Assemblée nationale en a décidé autrement. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont source d'inquiétude par rapport à l'organisation technique même des élections. Nous sommes allés à l'étranger pour communiquer sur la situation en Côte d'Ivoire, mais également pour tisser des partenariats par rapport à notre sécurité d'abord, parce qu'ici, tous les activistes sont menacés, parce qu'on ne veut pas qu'on dise ce qui est vrai. Et donc, nous avons tissé des partenariats avec des ONG qui luttent contre la corruption, avec des ONG qui protègent les activistes. Et nous avons aussi parlé avec certains hommes politiques sur la situation en Côte d'Ivoire. Non, à la CNI payante, c'est déjà dépassé puisque l'Assemblée nationale, par deux fois, a voté pour que la CNI soit payante. Donc aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est comment on fait pour que le maximum d'Ivoiriens, sinon tous les Ivoiriens, puissent effectivement s'enrôler. Par rapport au dialogue qui est rompu entre le gouvernement et l'opposition, c'est forcément source d'inquiétude parce que nous, on a toujours prôné le dialogue inclusif et beaucoup de questions ont été source de conflits entre l'opposition et le pouvoir. L'opposition réclame toujours que la réforme de la CEI se fasse. Avec le code électoral, il n'y a pas eu d'entente. Donc nous, ça nous inspire beaucoup d'inquiétude parce que c'est tous ceux-là qui vont briguer le pouvoir en 2020. Et si déjà ils ne s'entendent pas, nous pensons que les sources d'un nouveau conflit sont déjà là. Nos propositions sont simples. C'est par rapport au nombre de centres d'enrôlement. En 2009, on avait 11 000 centres d'enrôlement. Et cette année, pour 201 communes dans tout le pays, on a seulement 118 centres d'enrôlement. C'est vraiment insuffisant. Donc nos propositions, c'est qu'on puisse multiplier le nombre de centres d'enrôlement vraiment au plus tôt pour que d'ici le trimestre dans lequel nous sommes, le maximum d'Ivoiriens puissent s'enrôler. S'il est vrai que c'est la volonté du gouvernement que tout le monde puisse aller au vote. Parce qu'aujourd'hui, la CNI n'est plus qu'un simple document administratif. Elle fera aussi office de carte d'électeur. Donc les enjeux sont encore plus importants. Ce qu'il faut déjà préciser, c'est que le rôle de la société civile n'est pas de briguer le pouvoir. C'est vrai que par rapport à certaines circonstances, il arrive qu'on impose la société civile à la tête du pays. Si un jour je devrais être à la tête du pays, la priorité pour moi serait le dialogue inclusif. On a connu tellement de problèmes, tellement de situations complexes qu'il est vraiment nécessaire que tous les leaders du pays, politiques et sociaux, s'asseyent à une même table pour ensemble dégager ce qui pourrait être la base d'une relance par rapport à la paix et par rapport au développement dans le pays. Et donc c'est de cette concertation-là que sortira effectivement les grandes lignes, mais vraiment de façon consensuelle, puisque actuellement on est dans une situation conflictuelle. Il faut mettre la priorité à tout ce qui est consensuel. Et donc ce que je ferai prioritairement, c'est d'engager ce dialogue-là pour qu'ensemble on puisse définir ce qui est prioritaire pour le pays. Et
c'est sur cette base qu'on va travailler. Sinon, du point de vue social, il y a l'école qui a beaucoup de problèmes, le niveau a baissé, il y a beaucoup de réformes à faire dans ce domaine, dans la santé. Même toutes les populations n'ont pas encore accès à l'eau potable, et ça, c'est pas normal. Il y a vraiment beaucoup de problèmes à régler. Mon mot de fin, c'est à l'endroit du président de la République particulièrement. Lui dire que nous qui luttons ne sommes pas contre lui, mais en tant que leader de la société civile, nous apportons notre contribution à la réflexion pour la paix, à la réflexion pour le développement. Donc c'est important qu'on nous voit en partenaire. Nos propositions, on peut partager dessus, on peut échanger dessus pour retenir ce qui est bon.